Je suis vraiment très contente de vous voir si nombreux. Je vous présente Monsieur Francis Le Pout qui me vient de Belgique, Scope 5G Belgique. Il est double informaticien, il est double ingénieur civil, pardon, en chimie et en informatique. Il étudie les pollutions électromagnétiques depuis plus de 10 ans. Donc il vient gentiment de Belgique nous expliquer les enjeux et l'impact que ça a sur notre santé et l'environnement. Donc qu'est-ce qu'une onde en fait? Donc tout le monde a déjà fait ça, donc lancer des cailloux en série dans une mare pour provoquer une série de vagues. Et donc à partir de ce dessin tout simple, on peut déjà préciser un certain nombre de choses. La longueur d'onde, par exemple, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux crêtes, deux vagues successives. La fréquence, c'est le nombre de fois que la feuille qui est sur la vague, là, c'est le nombre de fois que la feuille monte et descend par seconde. Alors vous avez aussi la vitesse de propagation, donc c'est la vitesse à laquelle les vagues se propagent. Et ce qu'on appelle aussi l'amplitude, c'est la distance entre la position au repos et la position maximum de la vague. Alors, la longueur d'onde et la fréquence sont reliées par une équation toute simple qui est là juste en dessous. Donc la vitesse de propagation de l'onde est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc ça veut dire que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte. L'onde précédente était une onde matérielle, en fait, c'est une onde qui avait la vague, a besoin d'un support pour se propager. L'onde électromagnétique, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué aussi d'ailleurs. Elle peut se propager dans le vide ou dans un milieu matériel. Et elle est constituée de deux champs perpendiculaires. Vous avez le champ rouge et le champ bleu. Ces deux champs sont donc le champ électrique et le champ magnétique. Donc ce genre d'onde électromagnétique est générée par des particules chargées électriquement en mouvement. Donc, par exemple, si vous avez un câble électrique avec du courant électrique, forcément, autour du câble, il y a un champ électromagnétique. Donc dans la maison, par exemple, nous sommes entourés de champs électromagnétiques liés au courant électrique. Alors ce qu'il faut surtout retenir de cette affaire, c'est que ces champs, ces SEM, agissent sur toutes les charges électriques qui sont à proximité. Donc si à proximité du champ, vous avez des charges électriques en mouvement ou non, d'ailleurs, le SEM va interagir, va exercer une force sur ces charges électriques. Et c'est par exemple le cas des électrons ou des ions. Et il faut savoir que notre corps humain est constitué de plein de petites charges électriques qui circulent dans tous les sens. Donc quand on est soumis à des champs électromagnétiques, forcément il se passe des choses au niveau du corps. Alors, donc l'onde matérielle, en fait, il faut bien se rendre compte que une onde, en fait, c'est un transport d'énergie, c'est pas un transport de matière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la vague arrive sur le moustique qui est là? Le moustique est soulevé et puis revient à sa place. C'est la même chose pour les molécules d'eau. Les molécules d'eau ne sont pas déplacées, elles se contentent de se déplacer de haut en bas, et quand l'onde a disparu, la molécule d'eau revient à sa position initiale. Donc il n'y a pas de transport de matière, il y a juste un transport d'énergie, énergie qui éventuellement est cédée à son environnement. Et donc ils interagissent avec les cellules des êtres vivants, car toutes les cellules sont le siège de micro-courants électriques, on verra les exemples tout à l'heure. Et donc principalement dans notre corps, il y a des déplacements d'électrons et des déplacements de protons. Donc protons, c'est le H+, donc c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Et notre corps, les cellules de notre corps sont remplies de petits courants d'électrons et de protons. Alors si vous prenez le cas de l'ADN par exemple, dans le corps nous avons des milliers de milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a
un noyau, et dans le noyau, il y a de l'ADN. Et l'ADN, c'est microscopique évidemment, mais si vous le déroulez, ça fait 2 mètres. Donc dans chaque cellule, il y a de l'ADN qu'on peut voir comme un conducteur électrique de 2 mètres de long. Donc comme on a, je crois, 50 billions de cellules dans le corps, ça fait un certain nombre de kilomètres. Le corps humain est fait d'environ 60% d'eau, et cette eau, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est H2O, vous me connaissez la formule de l'eau, H2O, et en fait dans l'eau, les atomes d'hydrogène n'arrêtent pas de se déplacer d'une molécule à l'autre. Donc les atomes d'hydrogène sautent sans arrêt d'une molécule à l'autre, 2000 fois par seconde. Et ça, évidemment, ce sont aussi les charges électriques qui sont éventuellement susceptibles d'être influencées par des champs électromagnétiques. Alors on parle du spectre électromagnétique, donc c'est le spectre de fréquence. Donc on a là les fréquences qui varient de 0 Hz à 300 hexahertz, hein, donc hexahertz c'est un chiffre énorme, hein, c'est 10 exposant 18, donc c'est 1 milliard de milliards. Alors tout à gauche, en fait, on parle de champs statiques, je ne sais pas lire moi ici, mais champs statiques, donc ce sont les champs naturels en fait, hein, le champ terrestre, le champ magnétique terrestre, c'est un champ statique, donc il a la fréquence de zéro, ce n'est pas un champ alternatif. C'est également le cas d'un aimant. Alors dans tout ce qu'il y a là à l'écran, il y a beaucoup d'artificiel et assez peu de naturel en fait. Donc le champ électrostatique, j'en ai parlé, c'est un élément naturel de tout ce spectre électromagnétique. À côté de ça, vous avez la lumière, bien sûr, l'infrarouge et l'ultraviolet, donc, que tout le monde connaît. Et puis vous avez aussi les rayons gamma. Donc les rayons gamma, dans notre environnement, nous avons les rayons des radiations nucléaires, donc nous en avons un petit peu. Donc ça provient de la Terre, de l'uranium qui est contenu dans la croûte terrestre. Mais tout le reste, en fait, tout ce qu'on voit à côté, tout ça c'est artificiel bien sûr. C'est par exemple la radio, la télévision, la téléphonie sans fil, les radars, etc. Alors, il y a des catégories, hein, pour tout ça. Donc les basses fréquences, vous voyez, hein, de 3 Hz à 300 kHz. Alors, on va beaucoup parler des extrêmes basses fréquences. Donc ça correspond grosso modo au courant électrique, hein, donc le courant électrique qui est à 50 Hz en Europe. Donc là on parle d'extrême basse fréquence. Alors on parle des radiofréquences aussi, donc de 3 kHz à 300 GHz, ou des micro-ondes. Je vais indifféremment parler de radiofréquences aux micro-ondes, c'est grosso modo c'est la même chose. C'est en tout cas tout ce qui concerne la téléphonie sans fil par exemple. Donc ça va, pour les micro-ondes, de 300 MHz à 300 GHz. Alors vous avez des exemples en dessous. Donc tous les réseaux cellulaires, 2G, 3G, etc., qui utilisent des fréquences comme 900 MHz et 1,8 GHz. Vous avez le Wi-Fi, qui travaille à 2,4 ou 5 GHz. Le WiMAX, le Bluetooth, le DECT. Donc le DECT, c'est les téléphones domestiques sans fil. Le four à micro-ondes. Donc ça aussi, ça fonctionne avec ce genre d'ondes, mais à 2,45 GHz. Alors là, c'est différent, on utilise les micro-ondes uniquement pour chauffer, évidemment. Dans les autres cas, on utilise des micro-ondes comme ce qu'on appelle une onde porteuse, c'est-à-dire que c'est une onde qui porte un signal. Donc, vous avez la micro-onde, et dessus, on trafique, si vous voulez, entre guillemets, on trafique l'onde pour lui faire transporter des bits d'information. Et donc, au passage, je vous signale que ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a un tout petit peu de micro-ondes, très très peu, mais il n'y a certainement pas de micro-ondes avec ce transport de bits. Hein. Donc pour ça, on doit moduler, etc., on doit moduler les l'onde pour qu'ils puissent transporter de l'information. Donc, on distingue quatre grands types de pollution électromagnétique. D'abord, ce qui concerne les basses fréquences, et en particulier les extrêmes basses fréquences à 50 Hz. Et donc pour chacun des types, je vais vous donner chaque fois les normes qui sont en vigueur, donc les normes qui sont en vigueur dans nos pays, et qui sont les normes de l'OMS en gros, hein, on va dire ça, où l'OMS qui en fait prend ses valeurs à partir de ce que recommande l'ICNIRP, alors l'ICNIRP, on va en parler beaucoup, c'est la Commission internationale sur la protection des radiations non ionisantes. Donc, c'est une espèce de succursale de l'OMS, quoique en fait, c'est une société de droit allemand tout à fait privée, qui fonctionne d'ailleurs comme un club privé.
on y en rentre si tout le monde est d'accord, etc. C'est vraiment quelque chose de très opaque. Et ce sont ces gens-là qui fixent les normes de sécurité, en fait. Alors, vous voyez déjà, pour le champ électrique de basse fréquence, à 50 Hz, vous voyez la différence déjà des recommandations. Donc, si on prend les normes de l'OMS, on est à 9000 volts par mètre, donc c'est ce qui est dit comme étant sûr pour la santé. Et les experts indépendants recommandent quelque chose comme 5 volts par mètre. Donc on est des milliers de fois en dessous. Donc ici, moi j'ai pris les valeurs de l'EuropaM, hein, donc c'est l'Académie européenne de médecine environnementale. Ce sont des experts indépendants qui sont groupés pour étudier la question, mais je pourrais citer d'autres associations d'experts indépendants qui donnent plus ou moins des chiffres de ce type-là. Hein. C'est pas exceptionnel, on va dire. On peut passer à la suite. Donc maintenant, pour le champ magnétique de très basse fréquence, donc là on l'exprime en nanotesla, donc un milliardième de tesla. Alors vous voyez de nouveau l'écart entre les deux valeurs limites recommandées, donc d'une part par les experts indépendants et par l'OMS. Donc vous voyez la différence, on a de nouveau un facteur extrêmement important. Alors, Pour les hautes fréquences, donc pour les micro-ondes ou les radiofréquences, on ne distingue pas le champ magnétique du champ électrique parce qu'en fait ils sont liés. Quand vous avez la valeur pour le champ électrique, vous avez la valeur pour le champ magnétique et vice versa. Donc on prend l'habitude de toujours parler du champ électrique et là on l'exprime en volts par mètre. Ou alors on parle aussi en densité de puissance. Donc vous voyez, il y a deux colonnes, là, volts par mètre ou microwatts par mètre carré. Donc, pour le paramètre, c'est l'intensité du champ électrique. Les microwatts par mètre carré, c'est l'intensité, la densité de puissance. Et ces deux valeurs sont liées. Donc, on s'exprime dans l'une et dans l'autre. Donc, de nouveau, regardez les écarts. Ils sont vraiment impressionnants. Donc, entre ce qui est recommandé tout en haut là, et l'autre tout en bas, vous avez un facteur de plusieurs millions de différence. Donc, c'est assez parlant. On peut passer à la suite. Alors, on parle parfois du DAS. Je pense que tout le monde a déjà vu ça sur ceux qui ont acheté des téléphones et qui regardent la notice, la mode d'emploi. En général, c'est obligatoire maintenant en Europe, quand on vous vend un GSM, doit être affichée la valeur du DAS, ou en anglais SAR. SAR. Ça parle à tout le monde, ça, ou pas? Non? Okay. Non. Et c'est une autre façon de faire une mesure de ce qu'émet un téléphone en termes d'ondes, mais c'est une mesure vraiment artificielle, c'est un calcul, en fait, c'est pas vraiment une mesure, c'est calculé à partir de mannequins, de sondes, etc. Enfin, c'est vraiment un calcul de laboratoire, on va dire, et c'est sans intérêt, en fait. Donc, je sais que certains, je l'ai fait à un certain moment, quand j'avais acheté un GSM, j'avais regardé ça pour essayer d'avoir le DAS le plus petit possible. Mais en fait, ça ne donne pas vraiment une bonne indication. Ça ne vous donne pas la valeur moyenne, ça vous donne juste la valeur maximale. Donc si vous achetez un téléphone qui fait 2, par exemple, il peut très bien, en moyenne, être moins fort qu'un téléphone qui ferait 1. Parce que ça vous donne simplement la valeur maximum possible pour le téléphone. Donc, il ne faut pas imaginer que ça va vous aider beaucoup à choisir un téléphone moins nocif qu'un autre. Alors, il y a quelque chose encore dont on parle assez rarement et qui est un peu plus compliqué à expliquer et à comprendre et d'ailleurs qui est très peu étudié, c'est ce qu'on appelle le courant électrique sale. Le courant sale, en fait, on parle de courant sale parce que le courant effectif qu'on a dans nos maisons, il est parasité quelque part, il est enrobé d'harmonique, comme on dit, et c'est ce que vous voyez sur le schéma à droite. Donc la ligne bien claire là représente le champ électromagnétique de 50 Hz, et tout ce qu'on voit autour là, des petites vibrations, en fait ce sont les parasites à des fréquences bien plus élevées, 1000, 2000, 10 000 Hz. Et qui d'après certains, en tout cas, notamment ce Samuel Milam, qui a beaucoup étudié ça, considère que c'est un cancérogène universel. Et les courants sales sont générés par tous les équipements électroniques, notamment modernes, les dimmers, tout ça, les lampes économiques et compagnie. On va passer à la suite.
Alors, où en est-on aujourd'hui? En fait, on fait face à une augmentation faramineuse des pollutions électromagnétiques depuis 20-30 ans, avec l'apparition des GSM et puis tous les équipements sans fil. Et toutes ces techniques se superposent. Hein, on a la radio, mais maintenant on a la DAB+, hein, je suppose que tout le monde sait ce que c'est. En Belgique, non, c'est la radio, IFI, enfin, fréquence modulée, c'est l'équivalent de la fréquence modulée, mais en digital. Donc vous connaissez la FM, ça tout le monde connaît. Et maintenant, en tout cas en Belgique, on fait une campagne terrible pour nous remplacer ça par le DAB+, voilà, qui va certainement être bien plus polluant que la FM, sans d'ailleurs apporter un plus. En plus, ça va coûter plus cher, et en termes de fidélité du son, c'est pas mieux. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon évidemment de faire fabriquer des choses et de vous faire jeter votre vieille radio et d'acheter une nouvelle à la place, quoi. La TV, la téléphonie, toutes les normes de téléphonie, et puis tout ce qui est en dessous, hein, vous connaissez en partie sans doute Wi-Fi, Bluetooth, Astrid, Rita, ce sont des réseaux spéciaux pour les secours, les radars, etc. On assiste à une multiplication des objets électriques et électroniques dans notre quotidien, et notamment les objets connectés. Alors, tout compris objets connectés, on en est à 39 milliards aujourd'hui dans le monde. Donc là-dedans, il y a grosso modo 19 milliards d'objets connectés classiques, on va dire, donc les PC portables, les tablettes, les smartphones, les GSM, tout ça, ça fait grosso modo 19 milliards. Et les 20 milliards suivants, ce sont vraiment des objets connectés. Je ne sais pas, peut-être que moi j'en ai pas chez moi, il y en a peut-être qui en ont, mais je sais qu'il y a des machines à café qui sont connectées d'une marque bien célèbre américaine. Donc dedans, il y a une carte SIM sans doute, et qui permet à la machine de communiquer avec le fabricant, par exemple. Vous avez aussi des compteurs communicants. Ça, c'est plus récent, on en parle un petit peu. Donc, les compteurs communicants, bien entendu, sont aussi des objets connectés. Vous avez toutes sortes d'éclairages publics déjà qui sont connectés, c'est-à-dire qui n'ont plus besoin d'un câble pour parler, entre guillemets, avec un centre de commande. Non, ils communiquent par micro-ondes. Voilà, on en est là aujourd'hui, on peut passer à la suite. Donc notre exposition, elle est prolongée, omniprésente et en croissance très très rapide depuis 20 ou 30 ans. Je vais continuer. Alors, les effets sanitaires et biologiques, alors il faut distinguer biologique et sanitaire. Un effet biologique, c'est un effet qu'on peut constater sur une cellule par exemple. On peut voir qu'une cellule réagit, qu'elle va modifier son comportement, qu'elle va générer certaines protéines de stress, par exemple, etc. C'est ce qu'on appelle des effets biologiques. Par contre, l'effet sanitaire, c'est la maladie. Hein? Donc, il peut y avoir des effets biologiques sans effets sanitaires. Alors, ces effets-là sont déniés par l'industrie et la plupart des institutions nationales et internationales, comme l'OMS, dont j'ai parlé, mais aussi l'Union européenne, les États-Unis, enfin tous les grands pays du monde. Donc, tout ça est dénié. Et en fait, le credo, c'est quoi? Le credo, c'est s'il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a pas d'effet sanitaire. Hein? Donc l'effet thermique, c'est celui du four à micro-ondes, tout le monde le connaît. Et ces gens-là disent pas d'effet thermique. Donc si vous prenez un téléphone et que vous mettez votre bras, par exemple, ben, ça ne chauffe pas, donc il n'y a pas de souci. Hein? C'est ça l'idée. Quoi. Et donc, moi je considère qu'en fait, depuis l'avènement de la téléphonie sans fil, donc on va dire des 1990, c'est là que sont à Paris les premiers téléphones 2G, c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup de téléphones, ils sont devenus plus abordables au niveau du prix. Et donc, depuis cette époque, je considère qu'on est devenus tous des cobayes, en fait, d'une grande expérience mondiale pour laquelle on ne nous a rien demandé, en fait. Ouais. Alors, ça, c'est l'évolution de la pollution électromagnétique au cours du temps. Donc, la courbe en verte, tout en dessous, ça vous montre les champs électromagnétiques naturels. L'axe vertical vous montre la densité de puissance du champ électromagnétique. Attention, c'est une échelle logarithmique, comme on dit. Donc, entre chaque barreau là, de l'échelle verticale, c'est fois 1000 en fait. Hein? Donc c'est pas plus, c'est fois. Hein? Donc entre tout en bas et tout en haut, c'est astronomique. Hein? C'est des milliards de milliards. Hein? Donc
par exemple, alors, je vais en reparler. En jaune, juste au-dessus du vert, vous avez la pollution telle qu'elle était dans les années 50, puis dans les années suivantes, et puis aujourd'hui en rouge. Et vous voyez l'écart. Donc là où j'ai mis x10 exposant 18, hein, c'est ça. La différence, vous voyez, entre là où j'ai mis la collade, là, c'est on a un facteur d'un milliard de milliards. Hein. Donc ça correspond grosso modo à la fréquence d'un gigahertz, c'est-à-dire une fréquence qui est utilisée pour la téléphonie sans fil. On peut passer à la suite. Donc voilà, parfois on comprend mieux avec une image. Hein. On peut passer à la suite. Alors, on va passer maintenant aux études qui existent en fait depuis très longtemps. Hein. Donc, il faut savoir que les militaires s'intéressent à cette question-là depuis la guerre 40-45, en fait, parce que en 40-45, on utilisait l'électron pour les radars déjà. Et les militaires ont constaté très vite des problèmes de santé chez les opérateurs radars. Donc, il y avait des gens qui avaient des migraines, d'autres qui perdaient leur libido, etc. Donc, toutes sortes de troubles, un peu divers. Et ils ont commencé à lancer des recherches. Et donc, le DOD, donc, c'est le département américain de défense, tout en faisant des recherches sur la question, cette année-là, en 72, ils ont fait une déclaration comme quoi on ne possédait pas suffisamment de connaissances sur les effets sanitaires des expositions à long terme. 72 aussi, c'est justement la fabrication du premier téléphone sans fil, c'est Motorola qui l'a fait. Il a fallu beaucoup de temps après pour que le téléphone se répande, parce que c'est pas à cause du téléphone, c'est surtout à cause de l'infrastructure. Il a fallu mettre des antennes partout, etc. Et ça a été très compliqué au début d'avoir les permissions, etc. Donc, et puis on a fait une première génération qui était assez coûteuse, donc c'était à 1G. Et quand on a découvert, quand on a mis en place à 2G, on a fait des téléphones beaucoup plus réduits, moins chers. Et c'est le début des années 90, c'est là que ça a décollé, quoi. Avec le GSM, comme on dit. Alors, une première étude en 1973, il y en a d'autres, hein, moi je vous en donne juste quelques-unes. Hein. Donc c'est un chercheur, comme beaucoup à l'époque, était payé par l'armée, donc ici la marine américaine. Il a montré l'augmentation de la pression sanguine sous l'effet des micro-ondes, c'était assez clair. Et ça a été confirmé bien plus tard par un universitaire, là, et donc avec une possibilité de crise cardiaque pour des gens qui seraient en difficulté cardiaque, quoi. En 75, un certain Alan Frey, aussi financé par la marine états-unienne, lui, ce qu'il a découvert, c'est encore plus perturbant. Il a découvert que les micro-ondes pouvaient couvrir la BHE. Donc la BHE, c'est la barrière hématoencéphalique. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un tissu, une membrane qui entoure le cerveau et qui protège le cerveau par rapport à tout ce qui circule dans le sang, comme toxines, etc. Donc, cette membrane ne laisse passer dans le cerveau que ce qui est vraiment utile au cerveau. Donc, le cerveau est très à l'abri là derrière. Évidemment, si vous ouvrez cette barrière, les ennuis commencent. Et donc, vous pouvez expliquer comment ça a été découvert. Ça a été découvert bien avant cette année-là. Quelqu'un a injecté une teinture foncée dans le sang de rat et s'est rendu compte que tous les tissus du rat étaient colorés sauf le cerveau. Donc on avait découvert la BHE. Et lui, il a fait le même genre d'expérience, mais chez des rats soumis à des micro-ondes, et il a constaté que le cerveau se colorait aussi, quoi. Donc voilà, c'était démontré. Et alors ça a été confirmé par la suite, notamment par Salford, là, qui est un chirurgien suédois. Et lui, il avait l'idée un peu audacieuse d'ouvrir la barrière encéphalique pour y laisser passer des molécules susceptibles de détruire les tumeurs qui se trouvaient dans le cerveau. Donc c'était, ça semble intelligent comme idée, mais c'était très dangereux aussi. Je ne crois pas que ça s'est poursuivi. Et pour la petite histoire, Alan Frey, il est connu aussi parce que c'est le premier scientifique qui a écrit un article dans une revue scientifique sur le fait que les techniciens de radar entendaient le radar. Donc en fait, il y a pas mal d'opérateurs de radar qui entendaient le radar, mais en fait, ce n'est pas vraiment entendre qu'ils entendent qui se passe. C'est une interaction directe entre les micro-ondes du radar et le nerf acoustique. Mais ils entendaient des bruits, ça fait un bruit, quoi. C'est assez fréquent. Lui-même, d'ailleurs, Alan Frey,
a constaté que lui aussi entendait les radars. Certaines personnes d'ailleurs disent qu'elles entendent les GSM aussi, les gens qui sont très sensibles. Voilà, alors ces premières découvertes, comme elles étaient le fait de l'armée, ben, on les a mis sous le tapis assez vite, hein, parce que les militaires n'avaient pas trop envie qu'on freine le développement de toutes leurs techniques militaires. Et puis par la suite, c'est l'industrie de la téléphonie qui a pris le relais, parce que pareil, les enjeux financiers sont tellement importants que il y avait pas mal de gens puissants qui n'avaient pas intérêt du tout à ce qu'on en sache trop sur ces effets toxiques. Alors, en 1995, on a un certain Henri Lai qui a beaucoup cherché dans ce domaine. Et lui, ce qu'il a fait, il a tout simplement exposé les rats à des micro-ondes, un téléphone en fait, pendant 2 heures. Et ce qu'il a constaté, lui, dans son laboratoire, c'est des cassures de l'ADN. Donc, cassures de l'ADN, tout le monde peut penser que c'est quelque chose d'assez dangereux. Hein. Donc, l'ADN, beaucoup de personnes pensent que c'est ce qui fait l'hérédité. Hein. Bien sûr, c'est vrai. Mais l'ADN a plein de fonctions qui fait qu'on est en bonne santé ou pas. Donc dans l'ADN, il y a toutes sortes d'informations qui permettent à nos cellules de se réparer. Hein, par exemple, vous êtes malade, vous subissez un stress, quel qu'il soit, chimique, environnemental, une maladie, un microbe, vous avez tout de suite là, dans l'ADN, des informations nécessaires pour fabriquer ce qu'il faut pour vous réparer. Hein, réparer l'ADN, réparer d'autres choses. Et aussi, il a constaté l'apparition de radicaux libres. Alors, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules qui ont perdu un électron et qui sont très actives, extrêmement actives. Donc, quand vous avez des radicaux libres dans le corps, on en a tout le temps, tous les jours, hein, naturellement, je veux dire, mais le corps a besoin de réagir par rapport à ça. Et notamment, il le fait grâce à l'ADN. Mais si vous en avez trop, à un moment donné, ça n'ira plus. Hein, le corps ne sera plus en mesure de réparer les attaques que vous subissez du fait des radicaux libres. Donc, un radical libre, c'est un ion en fait, hein, c'est une molécule auquel il manque un électron, et ces molécules-là, elles n'ont qu'une idée en tête, c'est d'aller chercher un électron ailleurs, quitte à casser quelque chose, mais elles vont aller piquer un électron pour se satisfaire. Voilà, ça c'était la première étude du genre. On peut continuer. Voilà. Et ça n'a pas plu, évidemment. En 1995, déjà, les intérêts du monde des télécoms étaient déjà très, très importants. Il y avait Motorola, mais tous les autres aussi. Et c'est pas ce qui a plu. Ces études-là étaient en partie financées par le monde de l'industrie. Donc, il a commencé à avoir des soucis. Et il a encore travaillé un peu là-dessus, mais de moins en moins. On peut passer à la suite. Ça, c'est sans doute sa dernière étude sur la question, mais c'était déjà plus des micro-ondes, c'était, vous voyez, à droite il est mis EBF, là, non, extrêmement basse fréquence, donc là il a fait une étude sur des rats, mais avec des champs de 60 Hz. Il les a exposés à un champ magnétique relativement faible, hein, 10 microtesla, c'est pas beaucoup, pendant 24 heures, et là aussi il a constaté l'augmentation, une augmentation significative des cassures de l'ADN. Alors, je vous dis, c'est pas grand-chose. Par exemple, un sèche-cheveux, par exemple, ça peut produire un champ magnétique bien plus élevé que ça. Quoi. Hein? Un sèche-cheveux, ça, c'est marqué là, je crois. Oui, ça peut aller jusqu'à 500 microtesla. Ça dépend du modèle, bien entendu. Mais donc, dans notre quotidien, il n'est pas rare qu'on soit exposé à des champs magnétiques de basse fréquence bien plus élevés que ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va tomber malade, mais je vous dis, ça stresse votre organisme et ça le sollicite en termes de réparation notamment. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est en l'absence de tout effet thermique. Hein. Donc rappelez-vous, hein, le credo de l'industrie, c'est pas d'effet thermique, pas de problème. Hein. Mais ici, on n'a pas d'effet thermique, mais on a des problèmes. On peut passer à la suite. Alors, on a ici un Autrichien, un professeur d'université de Vienne, qui lui a fait une méta-étude. Donc ça veut dire quoi? Il a collecté une centaine d'études pour voir un peu ce que l'ensemble des études racontaient et en tirer la quintessence. Et ses conclusions étaient très claires. Hein. Ses conclusions, c'était les champs électromagnétiques peuvent modifier le matériel génétique des cellules exposées, in vivo, in vitro, et de plusieurs façons, donc selon plusieurs mécanismes. Donc, in vivo, c'est sur des rats de laboratoire, in vitro, c'est sur des cellules qui sont cultivées
cultivée en laboratoire. Alors, autre chose, j'en ai parlé un petit peu, quand vos cellules sont stressées, elles produisent ce qu'on appelle des protéines de stress, qui sont codées dans l'ADN, et afin de faire des réparations à gauche et à droite. Et donc, on a une étude qui a montré que après quelques minutes seulement d'exposition au champ électromagnétique, on avait la création de protéines de stress, donc en 5 minutes. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est qu'en cas d'exposition prolongée, c'est que votre organisme n'est plus en mesure de produire ces protéines de stress. Donc, sa capacité à les produire atteint ses limites et il n'est plus en mesure de les produire. Donc, à ce moment-là, vous êtes en position de fragilité, bien entendu, par rapport à tout ce qui peut vous tomber dessus. Voilà quelque chose qu'on a pu démontrer aussi. Alors ici, on fait un saut à San Francisco. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Neil Sherry qui a étudié les cancers infantiles de 1937 à 1988. Pourquoi à San Francisco? Ben, il a fait ça autour d'une tour, d'émission. Vous voyez qu'il y a la tour Sutro qui fait 500 mètres de haut. Et là-dessus, il y a des antennes TV, des antennes radio. Vous voyez là en dessous, vous voyez aussi en dessous les taux d'exposition, donc sur une distance de 6 km. Elles existent, mais elles ne sont pas non plus phénoménales. Hein. Elles sont relativement importantes, en tout cas près de la tour. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, ça reste assez raisonnable, on va dire. Et en tout cas, on est à des taux d'exposition très inférieurs à ceux des normes officielles. J'ai mis le chiffre en dessous, vous voyez la différence. Donc, ce que nous montre le graphique, il nous montre que plus on se rapproche de la tour, plus le nombre de cancers augmente. Donc on passe à une multiplication de risque par 10, grosso modo. Alors ça, c'est en Israël, qui est un pays intéressant du point de vue de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que Israël est un des pays qui s'est équipé le plus vite, avec la Finlande sans doute, en téléphonie mobile. Et donc là, on voit les cancers dans les glandes salivaires de 1970 à 2006. La courbe supérieure est relative à la glande parotide, donc c'est une glande qu'on a dans le haut de la bouche. Et les deux autres glandes sont en dessous de la langue et en dessous de la mâchoire. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'à partir de 1990, donc c'est là il y a le petit cercle rouge, on voit une augmentation très forte du nombre de cas de ces cancers. Et donc ça correspond parfaitement à l'explosion de la mise en service des GSM. Alors aussi quelque chose d'intéressant, c'est pas une étude scientifique, c'est plutôt une étude historique ou épidémiologique. Donc là, on voit une corrélation entre l'électrification des États-Unis et la mortalité par cancer. Donc c'est un graphique qui correspond à l'année 1931. Donc vous voyez, sur la gauche, vous avez des États peu électrifiés avec peu de cancers. Et plus vous montez dans l'électrification, selon les états, plus vous avez des cancers. Et c'était la même chose pour les maladies du cœur et du diabète. Alors on peut voir la graphique suivant. Donc c'est le même genre de graphique, mais 10 ans plus tard. Bon, on voit la même corrélation, en fait. Hein. On voit la même corrélation, on peut en penser ce qu'on veut. Hein. C'est une corrélation quand même. Mais alors ce qui est intéressant quand même à signaler, c'est le cas du Nevada. Donc le Nevada, en fait, sur 10 ans, son électrification, elle n'a quasiment pas changé. Hein. À gauche, là, je vous ai mis le petit cercle rouge vide, qui correspondait à la position dans le graphique précédent, 10 ans avant. Donc vous voyez, l'électrification n'a pas réellement changé. Par contre, le taux de cancer, fortement évolué. Alors on l'explique comment? Enfin, on l'explique. Non. Une explication serait la mise en service du barrage Hoover, enfin, en tout cas de l'usine électrique associée au barrage Hoover, qui à l'époque était l'usine électrique la plus puissante du monde, 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, ça correspond à un réacteur nucléaire, hein, comme il y en a beaucoup autour de Luxembourg. Donc c'était une usine électrique très importante. Et
Ça servait à quoi? Ça servait à amener du courant en Californie. Et donc on a mis en place évidemment des lignes à haute tension qui ont traversé le Nevada pour aller rejoindre la Californie. Donc ce serait une piste d'explication pour le cas du Nevada. Alors je vais vous parler de deux études très récentes, donc l'étude NTP, donc, qui s'est clôturée plus ou moins en 2017, donc National Toxicology Program, donc c'est aux États-Unis. Donc ils ont fait une étude sur 10 ans qui a coûté 30 millions de dollars. Et l'idée au départ c'était de prouver que tout ça ne posait pas de problème. Bon, ils appellent ça l'hypothèse nulle. Hein? Voilà, on va voir ce que ça a donné. Alors, cette étude, contrairement à ce qui avait été espéré par certains, ben, au contraire, elle a montré des preuves évidentes de tumeurs dans le cœur des rats mâles, ce qu'on appelle des schwannomes malins. Donc, ce sont des tumeurs extrêmement rares, mais qu'on retrouve aussi dans le nerf acoustique chez les gens qui utilisent beaucoup le téléphone. Ce sont des tumeurs très très rares. Alors, on a aussi trouvé des preuves un peu moins évidentes de tumeurs dans le cerveau, qu'on appelle les gliomes malins, ce sont des tumeurs, les cellules gliales. Donc il y a eu une étude un peu similaire qui a été menée par l'Institut Ramazzini, qui est un institut célèbre, hein, c'est un institut qui existe depuis très nombreuses années, qui est très célèbre, très connu pour toutes les études qu'ils ont faites sur la toxicité des produits chimiques, etc. Donc ce sont vraiment des gens très très, très sérieux, très professionnels. La différence par rapport à l'autre étude, l'autre côté, c'était plutôt avec un GSM en 2G. Ici, c'est des antennes. Donc, on s'est mis dans les conditions d'une exposition aux antennes. Donc, c'est la différence. Là aussi, c'était sur des rats. Il y a un certain nombre de rats, vous voyez, 2500 rats à peu près. Et pendant toute leur vie, on peut passer... Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ici, c'est que l'exposition qu'ont reçu ces rats est inférieur aux normes de l'OMS. Ça, c'est important à savoir. Et pareil, on a les mêmes conclusions que pour l'autre étude. Donc, schwannome malin, gliome malin. Au vu de ces études, de nombreux scientifiques, indépendants bien sûr, hein, pas ceux de l'industrie, voudraient que le CIRC, donc le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, il voudrait que le CIRC reclasse les SEM de radiofréquence du groupe 2B au groupe 1. Donc le CIRC a une classification, il y a le groupe 1, c'est les cancérigènes sûrs, le 2A, c'est les cancérigènes probables, puis il y a les cancérigènes possibles, 2B, et puis il y a les non-cancérigènes. Et donc pas mal de scientifiques maintenant voudraient qu'on reclasse. Ils avaient classé les SEM RF en cancérogène possible en 2011. Ils n'avaient pas fait mieux, ils les avaient pas mis en 2A ou en 1, parce que, disaient-ils, on manquait d'études sur les animaux. Voilà, maintenant on les a. Hein. Voilà ce qu'a monté le banc test de Ramazzini. Ouais, c'est pas rien. Je pourrais passer des heures à vous montrer des études de toutes sortes qui montrent tous ces troubles. Hein. Donc on a des certitudes ou des quasi-certitudes de tous ces trucs-là. Hein. Donc là, à chaque fois, il faut regarder à droite. Hein. Donc là, on est en basse fréquence. Donc on pense que les basses fréquences, les SEM de basse fréquence provoquent les maladies neurodégénératif, comme Alzheimer, mais d'autres aussi. Les micro-ondes, l'infertilité masculine, et là on peut le voir assez facilement en laboratoire. Troubles cardiaques, jusqu'à l'arrêt cardiaque, les micro-ondes toujours. Pour les deux types d'ondes, réduction de la mélatonine. Alors la mélatonine, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour s'endormir. C'est une hormone qui est générée le soir, pendant une heure ou deux. Et si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas dormir. Hein. Et en plus, c'est un antioxydant. Donc c'est un truc qui réagit très fort, qui réagit bien, enfin qui est nécessaire pour atténuer l'impact des radicaux libres dont j'ai parlé tantôt. Donc on soupçonne aussi de provoquer la dépression difficile, des troubles mentaux chez l'enfant.
Et si, en cas d'exposition prénatale, le TDAH, donc c'est le trouble de l'attention avec hyperactivité, qui est une maladie qui monte en flèche chez les enfants, et l'autisme aussi. Là aussi, je viens de lire il n'y a pas longtemps une étude sur des souris, on peut faire ça sur des souris, on expose des souris une semaine, la dernière semaine de gestation, puis la semaine d'après, à la naissance, et qu'est-ce qu'on constate ? Qu'elles sont moins sociables que les autres. Donc, qu'elles ont d'autres problèmes de genre là. Donc, on a des indices, on a des faisceaux d'indices, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ce genre de choses. Alors, si vous voulez aller plus loin dans ce genre de considération, moi, je vous conseille le livre là qui est en dessous, qui est en vente là-bas d'ailleurs, Martin Blanc, qui est un expert de la question, qui est un double doctorat en physique et qui a passé beaucoup de temps de ses recherches sur ces questions-là. Et alors il y a un rapport très très copieux, très conséquent, qui est disponible en ligne, qui a été écrit par une vingtaine de scientifiques indépendants, que vous pouvez trouver sur le site qui est là. Malheureusement, c'est en anglais. Alors il faut aussi parler de l'électro-hypersensibilité, qui est une maladie, mais avant ça, je voudrais insister sur le fait que nous sommes tous électrosensibles. Je crois que je l'ai déjà dit assez, on est parcouru de micro-courants, toutes sortes de trucs, on a plein de charges électriques dans le corps, et forcément, c'est de la physique. Si on a des charges en mouvement ou au repos dans le corps, forcément, elles subissent les forces des champs électromagnétiques qui nous entourent. On peut cliquer. Donc, on est tous électrosensibles, on peut passer encore à la suite. Alors, l'électro-hypersensibilité, c'est différent, c'est vraiment une maladie. Alors, le problème de cette maladie, c'est qu'elle est, je sais pas, comme la rougeole. Quand quelqu'un a la rougeole, c'est très facile à diagnostiquer. Ici, non, parce que les symptômes sont multiples. Ça peut aller de sensations de brûlure, de migraines, d'insomnie, de fatigue, de dépression, hein, toutes sortes de trucs, et à des niveaux, bien sûr, différents aussi. Hein. Et alors, il faut quand même savoir qu'il y a un pays qui est en avance là-dessus depuis bien longtemps, c'est la Suède, qui reconnaît l'électro-hypersensibilité comme une déficience fonctionnelle et un handicap réel. Donc là-bas, en Suède, il y a 3% de la population qui sont considérés comme handicapés de ce fait-là, donc ces gens reçoivent une allocation et vivent comme ils peuvent, en fait. Parce qu'en fait, le problème quand on a cette maladie, c'est qu'on n'est plus capable de vivre en société. Parce que vous habitez Luxembourg, vous allez partout, il y a des ondes, il y a une pollution électromagnétique de partout. Donc ces gens-là sont incapables de vivre en ville, par exemple. C'est hors de question. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. On en a quelques-uns dans notre collectif Stop Change en Belgique. Franchement, je souhaite ça à personne. C'est vraiment... vous êtes rejeté de la société, en fait, ni plus ni moins. Quoi. Voilà, et on est tous susceptibles de devenir électro-hypersensibles. Ça peut arriver petit à petit, ça peut arriver sous l'effet d'une forte pollution brutale d'un seul coup, ou ça peut ne pas arriver. Touchons du bois. Passons à la suite. Alors, il faut parler des enfants, parce que les enfants sont vraiment vulnérables, bon, tout le monde sans doute, mais il faut insister sur les enfants. Les normes sont faites pour les adultes, en fait. Hein. Les normes de l'OMS sont prises en compte. Elles sont faites pour les adultes. Parce qu'ici. Je vous ai parlé tout à l'heure du DAS, là. Quand ils font leur calcul de DAS, ils le testent sur un mannequin, mais c'est un homme de balèze, on va dire. Ça n'a rien à voir avec les femmes, ni avec les enfants. Quoi. Alors, on voit ici l'impact des ondes, on voit la surface du cerveau qui est impactée par un téléphone GSM. Vous voyez la différence, hein, c'est assez clair. Forcément, qu'est-ce qui se passe? La paroi osseuse de l'enfant... Le crâne de l'enfant est plus petit, le cerveau est plus petit, donc les ondes vont plus loin dans le cerveau, forcément. Et aussi une chose très importante, c'est que la proportion d'eau chez un enfant est beaucoup plus importante que chez un adulte. Donc un adulte, en moyenne, c'est 70%, mais un enfant, c'est 65-70%. Et c'est encore plus dans le fœtus, dans le ventre de la mère, c'est encore plus. Donc, et alors, autre chose qui va à l'encontre des enfants, et même des adolescents, et même des jeunes adultes. Chez l'enfant en particulier, vous avez une croissance qui est très forte. La première année, je ne sais plus, le cerveau quadruple de volume, je crois, la première année
de la vie de l'enfant, mais qui dit explosion cellulaire, multiplication cellulaire très importante, dit évidemment plus grande fragilité par rapport à toutes sortes de stress, notamment le stress électromagnétique, quoi. Et bien entendu, il n'y a pas que les humains qui sont touchés. Hein. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les oiseaux, les insectes, les abeilles sont perturbés. Donc c'est une des causes, sans doute pas la seule, mais de la disparition des abeilles et des insectes. Donc vous avez entendu parler des chiffres catastrophiques, hein, de la chute des populations d'insectes. Il y a eu une étude qui est sortie l'année passée qui, pour l'Europe, qui montre la chute catastrophique. C'est sans doute en partie non négligeable, liée au micro-ondes. D'ailleurs, il y a une étude d'un chercheur allemand qui est intéressante, parce que lui, il a étudié les populations d'insectes sur un domaine qui est préservé de toute pollution chimique, donc c'est une très grande réserve. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y a rien, mais les insectes chutent, les populations d'insectes chutent aussi là-bas. Donc, ça dit quelque chose quand même. Voilà, je vais passer à la suite. Alors, oui. L'impact de l'origine du financement sur la recherche sur les SEM, c'est important de bien comprendre dans quel monde on vit. À gauche, vous avez des études qui ont été financées par des fonds publics, mais en tout cas pas par l'industrie. Et ces études-là, à 70%, montrent l'effet toxique des champs électromagnétiques. Tandis que quand les études sont financées par l'industrie, ça tombe à 32%. C'est pas normal. C'est normal que les études ne montrent rien. C'est normal que les études ne montrent rien. Mais qu'il y ait cette disparité-là, c'est vraiment révélateur. Ce n'est pas nouveau non plus. Hein. On a connu ça pour le tabac, l'amiante, etc. Je vous rappelle, l'amiante, il a fallu presque 100 ans pour l'interdire l'amiante en Europe. Après les premiers avertissements, déjà au tout début du siècle passé, les médecins avertissaient des dangers de l'amiante. Mais on l'a arrêté l'amiante à la fin du siècle. Mais ça s'est vu pour tout un tas de secteurs, notamment le tabac. Et voilà ce qu'on a retrouvé dans les archives d'un cigarettier états-unien. Voilà, le doute est notre produit, mais c'est exactement ça. Donc c'est la fabrique du doute, en fait. Et ça, c'est le monde de l'industrie, c'est comme ça qu'il se comporte. Enfin, là, c'est la récréation. On va passer le petit film. There's a revolution on the way. It's the 5G revolution. Although some say this will be more like an experiment that will affect billions of people. 5G stands for fifth generation mobile services. The internet will be faster than ever. Downloading a high definition movie will take mere seconds. By 2025, the European Commission is planning for all urban areas across the continent to have seamless 5G coverage. This will enable a new age in the Internet of Things. Smart driverless cars and smart hospitals, smart fridges, coffee makers, and even baby diapers. But what citizens are not told is that for this to happen, countless new antennas will be added in our neighborhoods, our workplaces, even in our homes. Are mobile communications dangerous? The scientific community is divided. Some experts maintain they are safe, others have serious concerns. In 2011, the WHO classified electromagnetic fields associated with cell phones as possibly carcinogenic to humans. And studies published in 2018 showed that when rats were exposed to such fields, it increased their risk of certain types of cancer. Even among those who believe the technology is safe, many admit that more studies are needed. And for 5G, there are almost no studies. Telecom companies themselves have noted that electromagnetic signals may pose health risks. So why are the EU Commission and our governments turning a blind eye? They cite guidelines established by transnational scientific bodies. But Investigate Europe has found that these bodies are closed clubs. People with dissenting opinions are not invited in. And a significant number of the scientists involved have received funding from companies with vested interests in the 5G rollout. There is no risk-free society. Other things we consume are also bad for our health, from alcohol to junk food. But if you don't want a hamburger, you can simply avoid hamburgers. With 5G, there is no opt-out. Donc, Kirk, on a déjà parlé. Donc, on parlait aussi de Wu. Donc,
OMSM, donc c'est un projet de l'OMS pour l'étude des champs électromagnétiques, mais qui est bien entendu dirigé par quelqu'un de l'ICNIRP, donc tout ça va ensemble. Et CENIRP, c'est un comité européen, mais qui est du même tonneau, on va dire. On va passer à la suite. Alors par exemple, Matrix Pacholi, c'est lui qui a fondé l'ICNIRP, mais qui était aussi à la tête du projet de SEM de l'OMS. Et donc ce gars-là, il a des liens très très étroits avec l'industrie, donc c'est assez extraordinaire comme situation. Il a même fini par déclarer dans une commission d'enquête australienne que l'exposition limite au rayonnement du sans fil n'a pas été basée sur la science, elle a été négociée entre les industriels et le gouvernement de cette époque. Donc on parle de l'Australie ici, mais enfin bon, ça s'est passé partout comme ça. Alors, vous l'avez vu dans le petit film, la 5G, ça nous promet une série de choses, hein, plus de débit, un temps de latence divisé. Donc temps de latence, ça veut dire que ça réagit plus vite. Hein. C'est paraît-il une nécessité pour les voitures autonomes, parce qu'elles doivent réagir très vite, et donc il faut la 5G pour ça. Aussi, ce qui est extraordinaire, c'est la densité de connexion. C'est donc, on imagine qu'avec la 5G, on va pouvoir connecter 1 million d'objets au kilomètre carré. Donc, vous imaginez ce qui est envisagé comme développement technique. Donc, ça veut dire que tous les objets de notre environnement seraient connectés. Mais donc, derrière tout ça, derrière ces trois premiers éléments, il y a évidemment l'avènement de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, c'est effectivement ça, c'est connecter tout et n'importe quoi pour que ces objets-là se parlent entre eux, se parlent à des centres de données ou vous parlent à travers votre smartphone, etc. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je vous laisse imaginer ce que les ingénieurs ou les financiers industriels imaginent comme besoin qu'on aurait par rapport à ça. Mais je peux vous en donner deux, trois si vous voulez. Enfin, bon, peut-être pas très intéressant. On peut passer à la suite. Alors, comment tout ça va se mettre en place? Et bien, pour faire ça, il faudra multiplier les antennes. Et il faudra des antennes d'un nouveau type. Je n'entre pas dans les détails techniques, mais juste pour vous dire que, par exemple, ces antennes 5G vont être capables de focaliser sur un smartphone, par exemple, ou sur un objet. Donc maintenant, les antennes, elles diffusent tout azimut, dans un certain nombre, on va dire. Mais là, non, elles pourront faire ça, elles pourront pointer un smartphone, et d'ailleurs plusieurs antennes pourront pointer le même smartphone, histoire d'augmenter le débit ou d'assurer ce qu'on appelle la redondance de la connexion. Voilà ce qu'on imagine. Alors, il faudra aussi augmenter les puissances d'émission, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Un premier petit mot, parce qu'en fait, pour la 5G, on va utiliser les fréquences d'aujourd'hui, mais aussi ce qu'on appelle des ondes millimétriques, c'est-à-dire des ondes au-dessus de 30 GHz. Et ces ondes-là, elles ont beaucoup d'intérêt pour faire tout ça, mais elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont arrêtées très vite. Donc il suffit de feuilles, d'un arbre, un petit mur, du brouillard, de l'eau, etc., de la pluie. Donc ça veut dire qu'il faut donc multiplier les antennes et augmenter la puissance à cause de ça. C'est ça une des raisons de l'augmentation des puissances d'émission. Alors, et donc ce que je viens de dire, c'est mis en dessous. Hein, donc les fréquences en rouge, ce sont les fréquences inusitées, inhabituelles. 26 GHz, on est quasiment millimétrique. Et puis, au-delà de 30 GHz, ce sont les ondes millimétriques. Et c'est ce qui est prévu. Hein. On va commencer par les premières fréquences. Mais d'ici quelques années, si la 5G se déploie, ce sera surtout grâce aux ondes millimétriques. Alors là, on va passer assez vite, tout simplement, il s'agit de la Belgique, hein, l'IBPT, c'est l'Institut belge des postes et des télécommunications, vous avez peut-être l'équivalent au Luxembourg, donc c'est eux qui sont en charge de l'attribution des fréquences, qui sont en charge de la vente des fréquences, et ce sont des pro-industriels, hein, ça a beau être un organisme d'État, mais ils font vraiment la promotion de l'industrie. Alors, on va juste s'arrêter sur ce qui est en rouge, là. On a la chance à Bruxelles d'avoir des normes relativement basses. C'est un peu exceptionnel en Europe, on a une norme à 6 volts par mètre, alors que la plupart des pays et des villes d'Europe, c'est 41,5 volts par mètre, donc c'est beaucoup plus.
Et donc, avec 6 volts de limite, on ne sait pas mettre la 5G à Bruxelles, c'est impossible. Enfin, ça ne marchera pas, quoi. Donc, il y a évidemment une grosse pression actuellement du monde de l'industrie, mais du monde politique aussi, hein, parce que pas des politiques sont pour, etc. Il y a plein de lobbies de toutes sortes, pour passer à Bruxelles à 14,5, avant de passer à 41,5. C'est ça le plan, quoi. Et malheureusement, dans l'accord de gouvernement bruxellois qui s'est mis en place il y a quelques mois, et dans lequel il y a des écolos d'ailleurs, la 5G est inscrite. Donc, voilà, si les choses se font comme prévu, les Bruxellois auront droit à la 5G, comme d'autres sans doute. Donc 41,5, c'est la limite maximum prescrite par l'OMS et CNIL. On peut passer à la suite. Alors, parler un petit peu du discours qui est tenu par l'IBPT, mais je suis sûr que le discours est le même ici, hein, vous pouvez avoir l'équivalent, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais on retrouve ce genre de discours dans les partis politiques en Belgique, hein, si vous prenez le MR par exemple, exactement ce genre de discours. On peut passer. Alors, il n'y a évidemment aucune interrogation sur les appels scientifiques, de scientifiques et de médecins depuis 20 ans. Il faut savoir que depuis 20 ans, il y a des gens qui se bougent, qui essaient de se bouger. Et donc, à peu près chaque année, ou tous les deux ans, il y a un groupe de scientifiques, un groupe de médecins dans un pays, sur un continent, voire sur le monde entier, qui lance une pétition, un appel au calme, enfin, hein, au moratoire, etc., et à la réduction des nombres d'émissions. Vous pouvez aller voir sur notre site, il y en a quelques-uns qui sont repris, mais j'en parlerai encore tout à l'heure. Il y a énormément d'appels qui ont été émis, mais ça ou rien, c'est pareil. Pour le monde politique, pour la plupart du monde politique en tout cas, et pour l'industrie, ça ne compte pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G? Moi, je me souviens toujours de ce que disait une Italienne qui habite dans les Abruzzes. Les Italiens, il y a pas mal d'opposition à la 5G. Que disait cette Italienne qui habite dans un petit village des Abruzzes? Elle disait, mais on nous propose la 5G, mais on n'a même pas encore d'école antisismique. Vous savez, les Abruzzes ont été atteints par une série de séismes, donc les villages sont encore très, très endommagés. Au lieu de leur construire une école antisismique, on leur met des antennes 5G, quoi. Où est le besoin? Alors derrière tout ça, il y a une propagande terrible, hein, avec des campagnes de marketing extraordinaires, très coûteuses d'ailleurs. Voilà. Quelle est la motivation des promoteurs de la 5G? Ben, on peut deviner. En fait, ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'augmenter leurs revenus, de vous faire jeter votre smartphone, de le remplacer par un nouveau, etc. Et donc, c'est la croissance à tout prix. Je parlais des effets sur le climat tout à l'heure. On peut passer à la suite s'il y a quelque chose, oui. Une remarque importante, c'est qu'aujourd'hui, on peut être sur un plan technique. Le réseau filaire, notamment la fibre optique, est de loin supérieur à la 5G. Donc, aujourd'hui, techniquement, on a tout ce qu'il faut pour faire mieux. Évidemment, la fibre optique n'est pas mobile. Hein, mais quand on vous parle d'opérations à distance, c'est complètement débile. D'abord, je ne sais pas si beaucoup de gens ont envie de se faire opérer à distance. Peut-être que dans certains cas, il n'y a pas d'autre moyen. Mais tant qu'à faire, la solution, c'est d'utiliser le réseau câblé, filaire, fibre optique, qui est bien plus performant et plus sûr. Donc, on n'a pas besoin de 5G pour ça. Hein. Mais pourtant, dans tous les discours, vous voyez ça. Hein, opération à distance. Voilà, on passe à la suite. Alors, l'autre horreur, alors ça c'est peut-être le pire, c'est l'idée de balancer dans l'espace 50 000 satellites. Donc, il y a 6 mois d'ici, je parlais de 12 000. Maintenant, c'est 50 000. Donc, ce sont les projets actuels pour étendre le réseau, enfin, intégrer les satellites dans le réseau global 5G. Et donc, on parle maintenant de 50 000 satellites. La société SpaceX, que vous connaissez peut-être, qui est celle de la société qui appartient à Elon Musk, qu'on connaît à cause de sa voiture électrique de luxe, la Tesla. C'est lui qui fait ça. Donc, il a actuellement un projet de 42 000 satellites à lui tout seul. Donc, rendez-vous compte, on va donc mettre dans l'espace à peu près 5 fois plus de satellites bien visibles qu'il n'y a d'étoiles visibles.
Et tous ces satellites-là seront plus visibles que la plupart des étoiles. Donc, je me demande comment on peut imaginer ce genre de choses. Enfin, bon, c'est ce qui est voulu. Et aussi, c'est 25 fois plus de satellites que ce qu'il y en a aujourd'hui. On en a lancé l'année passée quelques centaines, le satellite 5G, mais ça va s'accélérer dans les années qui viennent. Alors, de nouveau, c'est une expérience grandeur nature. On ne sait pas du tout à quoi on s'engage. Il faut quand même savoir que la Terre, c'est un système électromagnétique avec un champ magnétique, avec des microcurrents qui circulent aussi de la Terre au ciel, etc. Donc, il y a toute une série de mécanismes naturels qui impliquent de l'électricité et des champs magnétiques. Et tout ça, ça va compter pour rien, je ne pense pas. En tout cas, beaucoup de gens ne pensent que ça va influencer et modifier les propriétés électromagnétiques de la Terre. Il y a aussi tout l'impact de la combustion des carburants des fusées, parce que pour lancer tous ces satellites, évidemment, il faudra pas mal de fusées. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, donc j'ai presque fini, hein, donc on va parler un peu d'énergie et climat. Et puis je passerai aux recommandations, et puis on aura terminé. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le numérique mondial, c'est déjà à peu près 5% de la consommation d'énergie, uniquement le numérique. Et c'est en croissance rapide. L'électricité, si on prend que l'électricité, hein, qui est une partie de l'énergie, c'est aussi de l'ordre de 5% de l'électricité qui est consacrée au numérique. Actuellement, nous avons 4 milliards d'utilisateurs dans le monde de l'informatique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a 19 milliards d'équipements classiques et 20 milliards d'équipements connectés. Les prévisions sont déjà de 40 milliards, donc on va passer de 20 milliards d'objets connectés à 48 milliards en 2025. C'est les prévisions de l'industrie. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre de tout ce secteur, c'est 5%, mais plus selon certains. Tout ça, ça dépend des sources. Hein. Donc ça, c'est des chiffres plutôt minimum. Alors, il faut bien comprendre que l'informatique, c'est quelque chose qu'on considère comme virtuel. Donc, c'est virtuel, ça n'a pas d'impact. Mais non, on a vu des chiffres. Mais il faut se rendre compte que pour chaque bit d'information qu'on transmet, il faut de l'énergie. Le bit, il ne circule pas tout seul. Il faut de l'énergie donc pour le faire circuler. Et bien sûr, pour faire fonctionner toute l'infrastructure. Donc, tous les réseaux, les serveurs, les relais, tout le bazar, quoi. Donc ça, c'est une partie. Mais ce n'est que la petite partie, c'est la partie visible de l'iceberg. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour construire tous ces équipements, il faut extraire des métaux, et beaucoup de métaux rares. Il faut les broyer, les raffiner, etc. Fabriquer tous les équipements, les équipements individuels, les réseaux filaires et sans fil. Oui, au passage, je ne l'ai pas dit, mais la 5G, ça implique aussi une extension faramineuse de réseaux filaires. Parce que toutes ces antennes, pour la plupart en tout cas, vont être connectées par fibre optique à l'ensemble du réseau. Donc il y a aussi tout un effort à faire au niveau du réseau de fibre optique. Il y a des centres d'information qu'il faut construire, il faudra évidemment amplifier les capacités pour traiter toutes ces informations, du transport, du recyclage éventuel qui ne marche pas vraiment, qui est parfois très polluant lui-même, et puis alors il y a la mise en décharge avec des déchets, donc on ne sait pas trop quoi faire, on envoie à l'Afrique bien souvent. On peut passer à la suite. Alors là, il est clair que la 5G et l'Internet des objets vont peser lourdement sur la consommation d'énergie. Donc par la multiplication massive des objets connectés, la multiplication des antennes, donc on dit qu'on va multiplier le nombre d'antennes qu'on connaît aujourd'hui par un facteur de 3 à 5, et en plus que ces antennes-là vont consommer 3 fois plus d'énergie que les antennes actuelles. Hein, vous voyez un petit peu le rapport. Et évidemment, ça va appeler à des nouvelles consommations et à des nouveaux transferts de données qui vont être multipliés aussi. Et donc, une estimation raisonnable, c'est de dire que rien que pour l'émission des antennes et des objets connectés, on va augmenter la facture d'électricité en Europe de 2%. C'est un chiffre minimum. Hein. Rien que pour l'émission, je ne parle que de l'émission des antennes et des objets connectés.
Et évidemment, il y a tout le reste, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a tout le reste. Donc toute énergie qui serait nécessaire pour faire fonctionner ce qu'on appelle le cycle de vie du système. Donc voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un désastre annoncé, on peut passer à la suite. Alors comment réduire son exposition au CM? Est-ce qu'il y a moyen de limiter la casse à un niveau individuel? Alors moi, avant de parler aux mesures qu'on peut éventuellement prendre à son niveau, je vais être désagréable, je vais vous parler de deux choses. Il faut bien vous rendre compte que quand vous mettez un appareil sans fil à l'oreille, vous jouez à la roulette russe. Hein, vous avez suffisamment d'éléments dans ce que je viens de dire. Bon, vous allez peut-être passer à travers les mailles du filet, peut-être pas quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est le hasard qui va jouer. Et évidemment, plus vous utilisez ces appareils-là, plus vous prenez des risques. Et alors, il y a un consentement. Évidemment, quand vous avez ce genre d'appareil, vous consentez au système tel qu'il est aujourd'hui. Non seulement vous consentez au système tel qu'il est aujourd'hui, mais vous consentez à son extension. Parce que le discours des industriels, c'est quoi? C'est dire quoi? C'est « Ah non, les besoins augmentent, il y a des demandes, les consommateurs veulent plus, tout le monde veut plus. » Donc, voilà. Donc la 5G, c'est la suite normale de ce qui se passe jusqu'à présent, on veut dire. Après, il y aura la 6G. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, alors là... Oui, peut-être on y arrive. Peut-être. Alors... Bien sûr, l'option radicale, mais évidemment extrêmement efficace, c'est de supprimer les sources, donc les sources que vous avez autour de vous. Donc, le premier point, c'est les EBF, donc les basses fréquences, donc au niveau du courant électrique. Il y a toute une série de gadgets électriques que vous pouvez sûrement supprimer de votre environnement immédiat, dans votre maison. J'étais chez une amie l'autre jour, je comptais ses appareils électriques dans sa cuisine. Elle avait 20 appareils électriques. Moi, j'en ai deux, donc je n'en cherche pas beaucoup, non. Mais il faut essayer de se limiter le plus possible. Rappelez-vous, hein, donc tous les courants électriques dans votre maison, c'est une source de pollution, donc prenez vos distances, hein, c'est un des conseils aussi. La distance est votre ami, c'est le troisième conseil, évidemment. Si vous êtes face à une cuisinière électrique, ne restez pas appuyé sur la cuisinière électrique, prenez un peu de distance, reculez de 50 cm, utilisez les plaques du fond, pas les plaques qui sont en façade. Ça fait une grosse différence, hein, parce que le champ électromagnétique diminue avec le carré de la distance, donc ça diminue très vite quand même, hein, faut le savoir. Bien sûr, votre vie ne tient qu'à un fil, hein, donc là, tout le monde comprend. Donc la distance, j'insiste encore une fois, la sobriété bien sûr. Alors il y a l'endroit qui doit vraiment être à l'abri de tout ça, c'est la chambre à coucher. Là où vous dormez, éliminez tout, franchement en tout cas le plus possible. Si vous avez un réveil électrique sur cet heure, débranchez-le, prenez un réveil à pile, là il n'y a pas de problème. Écartez-vous du mur, écartez la tête de lit du mur si dans le mur il passe un câble électrique. Pas beaucoup, hein, 30 cm ça suffit, ça fait déjà une différence intéressante. Voilà. Hein. Il y a plein de solutions, hein, ça peut aller très loin. Hein. Moi j'ai des amis électro-hypersensibles, tous les soirs ils font sauter le disjoncteur général. Mais ils sont malades déjà. Hein. Il y a des systèmes de coupure automatique, par exemple ce qu'on appelle un biorupteur. Vous pouvez mettre ça au niveau du tableau électrique. Ce que ça fait ce truc-là, quand il détecte qu'il n'y a pas de demande sur le circuit, il coupe le circuit. Il ne reste plus qu'un petit signal infime. Bon, c'est des solutions qui sont un peu compliquées à mettre en œuvre, mais si jamais vous faites une rénovation électrique, il faut y penser. Bon, l'alimentation aussi, hein, c'est pas négligeable non plus pour se défendre. On ne le sait pas trop, je pense, mais il y a quand même un certain nombre de carences, même en Europe, au niveau nutriments, en vitamine D. La plupart des Belges, en tout cas, sont en insuffisance de vitamine D et aussi en oméga 3. Voilà. Et ça, c'est utile aussi pour se défendre. Voilà. Alors, des appels, je vous en parlais tout à l'heure, en voici deux. Et le premier, vous pouvez signer.
Donc c'est un appel international contre la 5G, donc il a déjà été signé par plus de 200 000 personnes. Ces gens-là sont aussi, ont aussi intenté un procès à l'État fédéral états-unien. Bon, il y en a d'autres, il y en a juste en dessous. Voilà, on peut passer à la suite. Ah oui, donc j'ai dit, plainte en justice, il y en a une en cours aux États-Unis, il y en a une en cours au Danemark, il y en a une en France qui a été déposée il y a pas longtemps, mais je crois qu'elle a déjà été rejetée il y a quelques jours, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, ben, il y a un seul livre, enfin, sur les aspects scientifiques en tout cas, sur les aspects scientifiques, enfin, mais ça reste abordable, c'est un livre qui est lisible. Il y a ce livre-là qui est excellent et qui ne vous parle pas que des problèmes de santé, qui vous parle aussi de l'influence de l'industrie sur le monde de la science et toutes les manipulations qu'il peut avoir au niveau des institutions internationales et nationales d'ailleurs. Il y a une préface qui est très intéressante aussi de Paul Héroux, qui est quelqu'un de très intéressant. Paul Héroux, c'est un Québécois qui est très actif dans le domaine. Donc vous pouvez lire sa préface, elle est disponible sur notre site, avec quelques commentaires donc, pour expliquer certains détails. Alors si vous lisez l'anglais, Disconnect, c'est très très, très bien aussi. Ça a été écrit par une grande spécialiste de la question, qui connaît très bien le problème. Elle est docteur en je ne sais pas quoi, et spécialiste aussi de la santé publique. Voilà, je crois que j'ai fini.